les choses soient claires, on fait rien d'autre avec ses mains que de s'accrocher à la vie. Il est où le type de l'alarme ? Le boss m'a dit de le liquider une fois son boulot fini. Une part au moins, pas vrai ? C'est marrant, il m'a dit pareil. Il a dit quoi ? Non, non ! Et où est passé le reste de la bande ? Je veux pas juger le Joker, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un permis valide pour conduire un autobus. En tout cas, j'espère. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada ! C'est simple, nous tuons le Batman. Évitons les débordements un peu trop explosifs. Alors, mort, c'est 500 000. Et vivant, c'est combien ? Pourquoi cet air si sérieux ? N'ayant qu'un poste à pourvoir pour l'instant, nous allons devoir procéder à un casting. Ouais, disons que j'ai vu mieux comme offre d'emploi. Le problème, c'est que j'ai aussi vu pire. Dis-leur ton nom. Brian. Alors que Batman enlève son masque, ils viennent se livrer. Oh, à chaque journée perdue, pleuvront des cadavres. En plus du meurtre de Brian, je vais mettre au Joker une charge de terrorisme et à la surprise de personne, ça sera pas sa dernière. Un médecin, vite! T'es le portrait craché de mon paternel. Je détestais mon paternel. Viens par ici. Hé ! Regarde-moi. Alors toi, tu enlèves ton petit masque et tu nous montres ton vrai visage. Lâche-la. Il y a un piètre choix de mots. Vérifiez leur nom. Parce qu'on connaît sa nouvelle cible. Et qu'il l'a déjà annoncé dans les journaux de demain. C'est quand même vraiment arrogant d'utiliser la section nécrologique du journal comme menace de mort. Ça me rappelle quand mon grand-père m'a fait ça comme cadeau à ma fête de 10 ans. Que s'est-il passé? Ils ont pris nos armes. Et nos uniformes. Eh, hey, vous faites la queue comme tout le monde, compris? Merde! À toutes les unités, descendez sur la cinquième! C'est un peu problématique créer un énorme feu avec la chose faite pour éteindre les feux. Bon, je vais charger ces autres crimes plus individuellement, mais je vais me débarrasser de la charge de terrorisme ici, comme ça, ça va être fait. Tu crois que c'est un bazooka? Excusez-moi, j'ai envie de conduire. J'adore ce boulot. Ça craint vraiment! J'approche. Est-ce que c'est dangereux? Oui, mais au moins il est assez respectueux pour s'immobiliser sur le passage piéton. Harvey Dent n'est jamais arrivé chez lui. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi? Ici, c'est une scène culte où le Joker contribue au kidnapping d'Harvey et Rachel, mais je veux aussi lui ajouter la possession d'explosifs. Merde, c'est quoi? Bon sang. Lâche-le, connard! C'est ma faute! Descendez-le! Quelque...
Même si c'est à l'avantage du Joker qu'Harvey survit, son plan a quand même passé à quelques secondes d'échouer, donc en plus de la mutilation, je vais lui charger une tentative de meurtre. Salut. Hey. Je brûle que ma moitié. C'est pas super connu, mais c'est illégal de détruire l'argent, même si c'est le nôtre. Et si on découpait un petit morceau et qu'on effilait à des petits toutous? Si Coleman Reese n'est pas mort dans 60 minutes, je fais exploser un hôpital. Bon, c'est pas vraiment surprenant que la menace du Joker est prise au sérieux et crée la panique absolue, donc je vais lui mettre encore une fois une charge de terrorisme. Madame, on doit l'évacuer maintenant. Tu restes en vie. Tu meurs. Voilà qui est mieux. Ok, ici c'est bizarre, mais comme si Dent le tire, ça serait considéré comme un meurtre et qu'il le place dans cette situation, je vais lui mettre une conspiration de meurtre sur lui-même. Ici Mike Engel de Gotham Soir. Il y a 100 barils en bas, prêts à exploser. Bon, le Joker est pas le plus varié, mais il se mérite sa dernière charge de terrorisme avec son offre de croisière tout inclus. En fait, ça inclut surtout les explosifs. Fox, nos tireurs se trompent de cible. Les clowns sont les otages. Mais je sais à qui tu devras celle-là. Ha ha ha!